Bonjour à vous, amis vierges et ascendants vierges. Bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine professionnel pour la période du 15 au 21 mars. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, si le tirage vous plaît, que vous souhaitez des précisions ou tout simplement des réponses, que ce soit pour ce domaine ou un autre domaine, et que vous souhaitez une guidance ou une consultation, il vous suffit d'aller dans la description sous la vidéo, il y a le lien de mon compte Facebook et mon mail. Et maintenant, amis vierges et ascendants vierges, et bien sans plus attendre, place à ce tirage. Ce tirage où on nous parle d'illusions. Peut-être que vous mettez des illusions et du coup, il y a comme ça du stress par rapport à, je dirais, à quelqu'un. Soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport au fait que vous souhaitez vous mettre à votre compte. Peut-être que vous souhaitez travailler en. Vous souhaitez travailler sur Internet, entre guillemets en télétravail. Il est possible que vous souhaitez, vous qui avez des diplômes dans la médecine, eh bien, vous mettrez à votre compte et je sais pas pourquoi, mais moi, je ressens que vous souhaitez à votre compte, eh bien, pouvoir ouvrir un site internet et je sais pas donner des conseils, peut-être ouvrir une chaîne YouTube et pouvoir donner vos conseils dans le domaine médical, ou alors pourquoi pas également, eh bien, pouvoir répondre aux questions des gens. Tout simplement, au lieu que les gens cherchent sur Internet et tombent sur tout n'importe quoi en résultat, eh bien, que vous puissiez, vous, leur donner les bonnes réponses. Mais pour cela, eh bien, on va dire que vous n'y croyez pas. Moi, j'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à ça, et malgré que vous avez les compétences pour le faire, mais vous dites, comment va être pris justement le corps médical, comment vont réagir les gens dans les commentaires ou lorsqu'ils vont voir mes vidéos, est-ce qu'ils vont pas critiquer, est-ce qu'ils vont pas me rabaisser, etc. Me prendre de haut. Mais il faut se dire que ce soit sur YouTube, que ce soit sur n'importe quel réseau social, eh bien, des commentaires négatifs, malheureusement, il y en a souvent. On en reçoit souvent. Mais après, il ne faut pas les prendre en considération, surtout lorsque c'est des commentaires, on va dire, haineux, pourrir, on va dire, la chaîne ou le compte. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens ou de faux comptes juste pour rire des chaînes YouTube, des comptes YouTube, des comptes Facebook. Et là, vous voyez, vous avez cette peur justement parce que vous savez que, par exemple, sur YouTube, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe que la personne ait 1000 abonnés ou 1 million d'abonnés, il y a toujours des gens qui vont cracher leur haine, comme on dit. Et vous, eh bien, vous avez peur de ça, vous ne voulez pas ça parce que vous avez peur de prendre ça, eh bien, pour vous. Peut-être que vous avez un côté hypersensible et que vous avez peur, eh bien, de prendre ça, j'allais dire, à même la peau. Vous avez peur de prendre ça à cœur. Mais est-ce que justement ce ne serait pas pour vous une sorte de thérapie par rapport au côté où vous êtes hypersensible, de justement passer par, enfin passer, pas forcément, ce ne sera pas que passagère, ce ne sera pas quelque chose que vous allez faire durant 6 mois ou 1 an et après abandonner. Mais le fait d'oser, de vous lancer dedans, sachant que on peut voir avec cette carte qu'il faut vous accepter tel que vous êtes, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez également, eh bien, que vous avez des idées,
Vous avez des opinions également, vous voyez? Et cette notion que vous avez peur de donner votre opinion, de donner vos idées, de vos conseils également, par exemple, en ouvrant une chaîne YouTube ou par exemple sur des forums, vous avez peur de donner vos idées, vos avis, vos conseils. Vous voyez? Et ce côté conseil, vous avez peur de, eh bien, vous voyez, de donner. Pourquoi? Est-ce que mes conseils, eh bien, sont légitimes? Est-ce qu'elles ont de la valeur? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, pour savoir, lancez-vous. Parce que, outre le fait d'y penser, le mieux, c'est de se lancer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe le domaine, le mieux, c'est de se lancer, et c'est là que vous avez des réponses. Et que s'il le faut, eh bien, il faut, eh bien, modifier certaines choses. Mais en tout cas, le mieux, c'est de se lancer et vous verrez. C'est comme si on vous dit, bah vas-y, et puis tu verras. Ah, je n'ose pas parler à ce garçon. Voilà, j'ai envie de lui parler, mais j'hésite, je n'ose pas. Parce que, est-ce qu'il va me trouver intéressant, il va peut-être me trouver idiote, etc. Blablabla. Et qu'on va vous dire, bah, pour savoir, bah vas-y, va discuter avec lui et tu sauras. Envoie-lui un message. T'as envie de lui envoyer un message, bah, au lieu de ça cogite dans ta tête, que dans ta tête il y ait des choses négatives qui cogitent dans ta tête, et eh bien va lui parler, envoie-lui un message, et tu verras bien. Vous voyez, moi j'ai cette notion, allez-y, lancez-vous et vous verrez bien. Et je parle également de thérapie, pourquoi? Parce que le fait d'oser vous lancer dans ce que vous avez envie, eh bien ça va vous aider également, ça va vous transformer, ça va vous aider. Vous voyez, à vous accepter et avoir confiance en vous. Ça va vous aider dans votre confiance en vous. Vous voyez? Et ça va être, justement, ça va vous aider et ça va vous permettre, eh bien, une grande transformation. Une grande transformation intérieure. Et maintenant, amis vierges, ascendant vierge, merci pour votre présence. Passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez. Je vous dis à bientôt.